tout le monde vend les liens comme étant le truc le plus indispensable sur Ultimate Team. Parfois, il est même plus favorisé que la puissance de la carte. Oui, il y a des gens qui préfèrent ça à ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vérifier ce mythe. Est-ce que 0 de lien, ça affaiblit vraiment la team ou pas? Et on va l'essayer en foutant. Les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez avant de commencer. Je sais que très peu de gens ont essayé ce concept. Alors c'est parti, on va le tester les gars. Petite pub avant de commencer. Je suis en live les week-ends, samedi et surtout dimanche, lundi soir pour le foutant concept. Alors n'hésitez pas à passer et de follow. Bon, petite anecdote les gars. J'allais faire le concept de la caméra pro en foot-champ. Mais j'ai oublié qu'il y avait des gens qui avaient la motion sickness. Alors j'ai changé concept à la dernière minute. Et remercier Simba pour cette proposition. C'était son idée. Il va avoir Albert. Si j'ai Albert les gars, je te banne frère. On va l'ouvrir tout de suite. L'animation elle est pas ouf et tout, mais on espère du lourd. J'ai eu plus de tots que toi. Moi, les gars, dans le compteur, je vais compter uniquement les tots hors pack garantie. Donc, hors récompense food champ et hors SPC garantie. On ouvre un 84x20. T'as pas eu de tots dans celui-là? Moi, je vais en avoir. Regarde. Brésil. Ederson. Allison. On a vu bleu. Ah. Ok, choix héros 88+, encore. Bon, les gars, on va cacher l'écran encore une fois, comme d'hab. 3, 2, 1. C'est ouvert. Qu'est-ce qu'on a comme version? On a une version fantasy. 3 UCL. Il n'y a même pas une Trippy Bonas ou je sais pas quoi. Maintenant, premier joueur, UCL. Berbatov. Faites pas les choix héros, les gars. Arnaque. Et pour les avoir, si vous de fantasy, il faut vraiment de la chance. Hein. Pas d'agilité. Merci Robert aussi pour le follow. Kessler. Dernier joueur. Foot fantasy. Pas d'agressivité, mais énormément d'endurance. Attaquant qui a un dribble pas mal. Le tir, il est éclaté. C'était un AT, un amossé. Ça avance pas grand chose. Hein. Portugal. On pack luck ce soir, les gars. A oublié, hein. A oublié très vite. Playstyle Flair. Qui l'utilise celui-là? On va faire le concept comme ça. Je vais faire la tactique perso. Comme ça, je serai prêt pour le début du match. What? C'est quoi cette team? Y a pas moyen de perdre contre ce mec, non? Allez, Klaus. En Percy. Qui perce la défense. Best. Oui. Allez, Best. Tu marques ça. Oh, le but. Propre. Je veux tellement lui faire une pause pour qu'il quitte, mais vas-y. Il m'a entendu. Oh non, ça commence dès maintenant. Avec les hackers. Regardez, il va quitter maintenant. Ok. Et je me demandais pourquoi il y avait un hacker maintenant. Parce que d'habitude, c'est vers les 10 win. Quand je vois une équipe bronze, c'est presque à 100%, c'est un hacker. Et le chef? Non, elle est nulle. Elle est nulle, Waver. Ce gameplay me constipe. Waouh. En plus, Donnarumma, qu'est-ce qu'il faisait là? Pas le meilleur gameplay, en plus. On joue avec 0 de lien. Allez, Waver, mais non, tire pas sur le gardien. Il est un peu éclaté, hein. Voilà, baisse, merci. La tire en finesse, GG. Pour surveiller les deux côtés. Oui, voilà, Waver, merci. Donnarumma au goal, Van Dijk. Totti. Ah, il a dégainé son Van Dijk, Totti. Je suis trop fort. Ça dégage. A few moments later. J'y rêve, hein. J'y rêve. Il est trop rapide pour moi, son gameplay. Trop rapide pour moi. Ouais, mais genre, tu l'évolues maintenant et après, il prend des up, non? Elle a mis une heure pour tirer, mais merci, Best. La méta. Merci. Beaucoup de chance, mais je prends Klaus pour la passe D. Oh, j'ai laissé. Oui, monsieur, voilà, un peu de méta aussi. Avec ce gameplay, il y a rien qui marche à part ça. Bon, les coups de cœur, bon, les joueurs qu'on a essayé, il y avait Waver. C'était plutôt pas mal.
Paul a prié, mais elle avait des contrôles très très lourds. Lui, Chief, dont les interceptions est très fort, mais pas dans la construction. Otamendi, ouais, moyen. C'est dû au gameplay encore une fois. Mais son placement défensif, j'ai vu mieux. Hein. Company était meilleur. Et à la fin, il y avait Klaus, que j'ai bien aimé aussi, surtout en attaque. En défense, ça manquait un peu de placement. Les gars se plaisent sales. Incroyable. Je veux pas avoir autre chose que bleu. Let's go. Oui, un gros joueur maintenant. Assez portugais. Pourquoi lui? Pourquoi? On a eu deux fois, les gars. Et Albert. Ah, trois tots. Je viens de remarquer. Dernière team pour le SBC de Bedrama Tots. Non. Showdown. J'espère qu'il sera version club, hein, pas équipe nationale. 9e match de foot champ. Et on commence avec ses bugs. Bedrama sur l'aile. Il passe. Non, c'était pas vers elle. Merci, voilà. Passe en fluide. Je vais pas me plaindre pour l'instant. Voilà. Let's go Van Persie. Oh le but. Remise de la tête. Centre. Incroyable, Bedrama. Oh là là, c'était parfait. J'y fus. Beckham, je l'ai humilié, frère. Oui, allez, let's go. Le GOAT, Bedrama. Merci. Il a marqué avec son pied faible en plus. Mais pourquoi ça lui revient? Mais arrêtez. C'est pas drôle, EA. En plus, il tape un tout droit du futur. Vraiment, si vous kiffez Rony, faites-le hein, sans hésiter. Un snipe par hasard? Toujours pas, wesh. Il a pas une bonne ligue, pourquoi il est aussi cher? Viens, Lazare. On va tester, il a le style sniper. Ça sert à rien de toute façon. Je check après ce match. Je suis curieux là. Allez! Ça a éclaté, les gars. Qu'on persiste. Oui, genre des Casillas en face. Werner, encore une fois. La défense, elle est où par contre hein. Le zéro collectif, je commence à le sentir, les gars. La défense, ça se passe très mal. Allez, Keane. Rate pas ça, s'il te plaît. Merci. Oh, il est bien gêné. Hein. Que des joueurs rapides. Allo, Eran, Werner. Tape des deux droits dans les plus grands des calmes. C'est réaliste ça aussi? C'est réaliste? Ah ouais, le placement défensif par contre. Je crois que c'est à cause des erreurs de collectif. Comment il peut marquer aussi facilement? Il y a beaucoup trop de réussites. Oh là là, tac, Ronaldinho Cruyff. Vraiment désolé, je suis un peu dégoûté de ce gameplay. Hein. Ce jeu peut changer le mood d'une personne, vraiment. Van Persie. Ça. Allez. Allez, merci. Tout ça grâce au flanc. Pour l'autre, hein, parce que... Et en ce moment, ils s'en foutent un peu. Van Persie. Allez. Et ouais, essaye d'innover, hein. Pas protéger la balle là. Fais un effort. Du n'importe quoi. Moi j'intercepte, ça lui revient. Oh. Merci Van Persie, let's go. On se faire combien en foot champ? Perso je visais les 16 mais là. On se faire 14. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Deux décos ce soir déjà? De l'adversaire? Les serveurs, il tient plus, hein. Oh là là, Bedrama. Ouh. J'ai joué ça. Ouais, je crois. Oh non, pas maintenant. Oh, c'est ok, rien qui marche. Ok, frère. Ah, c'est combien de matchs là?
Escobes. Oh non, pas Werner. Hein? Si, c'est trop. Esco. Non? Ouais, tout ça pour prendre un but. Elle est tirée. Allez Benrahma, merci. Allez, presque gratter les players. Il tire sur le gardien, il marque. Oh là. Tombe. Pas si compliqué ce match. J'arrive pas. Il va vraiment marquer comme ça. What the f... C'est quoi ce score de fou? Mais c'est pas terminé. On va aller en pronom maintenant. Oh, la réactivité de Chief. Troll, hein. Je veux casser quelque chose. Pas sur le gardien. Non. Fouchamp est parti en cacahuète. Il était chaud, comment ça il était chaud? T'es sérieux frère? Oh, l'équipe de janvier. Si je gagne pas contre lui, je m'attends 11 ans. C'est à un mois. Même pas. Ah ouais, un mois peut-être. Chiche. Encore deux finales. On a une des finales faciles par contre. On m'a dit que je ressemblais à beaucoup de gens, mais... Beaucoup de personnes, mais à la fin, il y avait personne qui me ressemblait vraiment. Je voulais changer la tactique, frère. Il y avait Rolfo en défense. En jeu. Ah oui, même pas. C'est mort, les gars. Non. Oh, le lock-in. Merci Pirate pour le follow. 13 les gars, il nous manque une finale, une dernière finale. Presque 14 avec 0 de collectif, ouais. Je pouvais faire 16 facile, hein, franchement. Tu vois une diff avec 0 de call, c'est ça la question. J'ai pas remarqué la différence dans les 10 premiers matchs, mais après dans les matchs compliqués, vu que la défense se plaçait pas très bien et l'adversaire avait beaucoup de réussite. S'il tirait n'importe comment, ça rentrait. Hein. Aïe, je t'ai vu. Oui, Drogba, let's go. Chuch, a trop poussé la balle par contre. Merci pour les GG les gars, merci. Modric arrive. J'espère bien. On va commencer. Nos pack. Ok. Incapié. Allez, deuxième. Modric. Ok. Un petit Zaha que tout le monde a packé. Dommage. 3 joueurs 85 plus. Ok. Allons-y. Yes. Tots. Brésilien. PC. Militao avec. Oh, ok. On est changeable, les gars. Ce opposé-là, c'est pas mal aussi. Enfin, un tot spotable. Ils ont à combien? 110. Même pas. 90. On a beaucoup de tots qui ont des fake stats. Ah, lui. 3, 2, 1. Donnez-nous à Modric. Bruno. Je sais pas qui. Dulor, s'il vous plaît. C'est quoi ça? C'est pas les pires récompenses par hasard, les gars? On m'a raqueté. Allez, on a fait KR. Parce qu'on avait des doubles en tots. Soit Benrahma, soit lui qui va prendre un up, soit les deux s'ils égalisent. Moi, je prends dans tous les cas. Bon, les gars, en fin de compte, c'était pas comme je commençais. Hein. La différence était dure à remarquer, surtout dans les 10 premiers matchs. Mais dans les 10 derniers matchs, aka les matchs compliqués, il y avait ma défense qui était hors positionnement dans quelques matchs. Beaucoup trop d'espace dans l'axe. Il y avait des tacles ratés, des passes ratées et des tirs ratés. Est-ce que c'était les serveurs? Parce que même ça affecte. Ou est-ce que c'était le collectif?
C'est dur à dire. Pour moi, le collectif impacte uniquement les stats des styles, les petits boosts qu'on aura avec les styles. Je pense que ça affecte aussi un peu le positionnement et le respect de la tactique perso, si vous voyez ce que je veux dire. Grosso modo, si vous jouez avec 31, 30, 28 de lien, ça affecte littéralement rien, par expérience. Alors que tout le monde commence à jouer avec 0 de lien, je vais commencer une nouvelle trend. Les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Rendez-vous en live. Encore une fois, merci pour le soutien, les gars, sur Twitch. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux pour être notifié quand je stream et tout. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle. Ciao tout le monde.